PMU, partenaire officiel du Racing, vous présente les réactions d'après-match. C'était un match quand même dans l'ensemble maîtrisé. On se le rend facile par une très bonne entame de match, une agressivité offensive. Donc voilà, satisfait, c'est la troisième victoire, zéro but encore encaissé. Donc il y avait quelques défis qu'on voulait perdurer et ça a été réussi. Maintenant on est conscient que ce n'est que trois matchs et que tout n'était pas parfait, mais on progresse. On est très content déjà parce qu'on a fait un bon match, on a été sérieux d'entrée. Et aujourd'hui c'est ce qui nous a valu une grande satisfaction. Et aujourd'hui on a les trois points, on est très content. C'est important de protéger un maximum notre gardien et puis quand on est un peu en difficulté, qu'il fasse aussi la différence sur deux, trois occasions adverses. Donc ça prouve bien que tout le monde met sa pierre à l'édifice, à l'image des remplaçants encore une fois. Et on finit les 10 dernières minutes à 10, mais on a une telle solidarité que ça ne s'est pas trop vu. C'est vrai qu'après les deux buts, on a relâché un peu quand même. C'est vrai qu'après qu'on est rentré à la mi-temps, le coach nous a secoué un peu et qu'il avait parfaitement raison. Du coup, on s'est réveillé, on a commencé à être beaucoup plus agressif et ne rien lâcher, être co-concurrent. Et c'est ce qui nous a valu le troisième but. Aujourd'hui, on est très content. Il y avait un peu d'insatisfaction sur notre fin de première mi-temps, notamment quelques ballons qu'on perd, qu'on néglige. Donc, on a vite recadré ça à la mi-temps pour se dire qu'on ne laisserait aucune miette, et qu'il ne fallait pas donner les occasions, les opportunités à Nancy. Il fallait qu'on soit extrêmement rigoureux, donc on l'a été avec un troisième but qui on savait pouvait sceller le sort de la rencontre. Donc dans l'ensemble, c'était un match maîtrisé. C'est super parce qu'aujourd'hui, c'est une sensation personnelle. Quand on voit plus de 500 personnes nous soutenir du début jusqu'à la fin, déjà qui font le déplacement, c'est super, ça nous galvanise. Et ça me donne beaucoup plus de courage sur le terrain. Et je pense que cette année, avec ensemble, on fera de belles choses. Chaque match avec le RC Lens est un événement, surtout dans les tribunes. Mais les joueurs sont toujours touchés par cette manifestation du début jusqu'à la fin. Et on a l'impression d'être un peu chez nous. On joue sur les deux tableaux. On joue aussi les deux coupes à fond. Maintenant, c'est à nous de bien récupérer, être intelligent et pouvoir aller gagner et continuer comme ça. C'est une bonne chose, comme ça on n'a pas le temps de trop. On va savourer ce soir, mais il faut vite se remettre en question. Et un autre défi à l'extérieur, une équipe de Tours qui marche bien. Donc on a envie aussi de continuer notre série.